Salut tout le monde, c'est Chiral. On se retrouve donc pour la deuxième et dernière partie de la découverte du jeu de survie Aride, qui, je vous le rappelle, est gratuit sur Steam et restera gratuit. Vous avez pu voir dans la partie 1, mais je vous la remettrai à la fin de la vidéo, que c'est un jeu qui est très punitif, qui n'est pas facile du tout. Mais on va continuer les aventures, et puis après, ce sera à vous de voir à la fin de la vidéo si le jeu vous intéresse ou pas. Mais pour un jeu gratuit, il arrive largement à la cheville de jeux de survie qui valent entre 20 et 30 euros, alors que là, il est gratuit. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le gameplay. Donc évidemment, ici, c'est bouché. On s'en doutait un petit peu. Donc les objectifs est de descendre dans la mine, de crafter les items nécessaires à la réparation pour pouvoir descendre dans la mine et trouver plus de refuges pour trouver du loot en fait. Tout ça en gérant la faim, la soif, la fatigue, les tempêtes, etc. Alors, ai-je des trucs que je pourrais poser là qui feraient avancer le steak, hein? Dites-moi tout. Il faut que je trouve tout d'un seul coup. C'est une blague. Alors, on a une planche. Hop. Une planche ici, je pense. Non? Fake! Je me suis fait avoir. Alors on peut courir, mais attention, courir diminue la stamina et nous fatigue beaucoup plus vite. Ici, une autre entrée de mine, évidemment bouchée. Elle me fatigue, elle a toujours quelque chose. Vous allez voir, elle aura toujours quelque chose. Comme dans tous les jeux de survie, ils ont toujours un problème. Là, voilà. Alors ici, ben elle a même un profit parce qu'on n'a pas la... T'es fatiguée. Je comprends bien. Bon là, on a trop d'aloe vera. Ça nous permettra de nous faire des crèmes d'aloe vera. Il y a quoi? Elle est crevée par contre. On va réparer le lit. Alors, pour faire de l'aloe vera, il me manque de la clé, évidemment. Des rochers. Elle est trop fatiguée, je peux pas le faire. Gotta get cool before I drop. On va la faire dormir. Elle est trop fatiguée pour pouvoir faire quelque chose. Elle a fait 10 mètres. Hein. Une planche ici. On va faire dormir un petit peu. Je fais gaffe à ma jauge de faim et de soif. Alors, elle a la dalle par contre. Donc, elle va manger un petit coup. Voilà. Ça la re lui redonne pas beaucoup en fait, hein. Utilise ça. Voilà. Alors, a-t-on des affaires qui permettent de réparer ici?
Je pensais qu'il fallait réparer la table. J'avais pas laissé dans un coffre. Non. Bon, la nuit va se coucher. Il me manque une corde et des vis. Est-ce que je vais pouvoir me faire une corde? Qu'est-ce que nous pouvons nous faire? Alors pour faire une corde, il nous faut des fibres et de la glu. Et la glu, on la fait avec les matières grasses, si je ne suis pas... Voilà, avec le cuir et les matières grasses que j'ai là-haut. Alors, il va falloir que je reparte en arrière. Cuir et matières grasses... Elle monte à une vitesse affolante. Donc on revient au camp de base pour aller chercher, enfin celui, le tout premier camp qu'on a trouvé pour aller chercher ce qu'il nous faut. C'est pour ça que après, plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez vous déplacer sur la map, plus vous allez vous éloigner, plus il faudra rapprocher vos loot. Hein. Sinon vous allez être sérieusement embêté. À chaque fois revenir, c'est de la fatigue, c'est de la consommation de nourriture, c'est de la consommation d'eau. Donc va falloir, voilà. Ou alors crafter un maximum de choses avec ce que vous avez laissé dans votre premier camp. Ah, et j'ai pas vu si on avait attrapé une buvette, je crois. Hein. Attraper un autre rat, ce qui va nous donner du cuir et ce qui va nous donner de la graisse pour pouvoir faire de la glu. En sachant que je l'ai pas dépassé. Ah, mais ça me fait une brochette quand je le dépasse pas en fait. Ah, je vais rattraper mon bois par contre. Hein. X. C'est là où j'ai le kebab. C'est une blague. Ah, mais j'ai plus de bois. Hop. Alors, est-ce que c'est là où j'ai mon kebab? Je l'ai pas pris. Je n'ai pas pris mon kebab. Alors, est-ce que c'est ça qu'ils appellent le kebab? Non, ça y ressemble pas. Alors, c'est une... un kinda. Alors, je sais pas si c'est un rat de là-bas. Ok. Alors, dans nos conteneurs... Alors, je vais prendre ça. Et
vais prendre les vis. Là, j'ai du cuir. De la graisse. Et on va voir si on peut se faire de la glu. Parce qu'après, madame, elle va avoir sommeil. Il me manque... Minecraft. Alors, il me manque de la graisse, hein, je ne peux plus en faire. Alors, je peux me faire de l'ice cream avec l'aloe vera et de la clé. Ça, non, je ne vais pas le faire parce que ça va me faire perdre la graisse. Ah, j'aurais pu faire un jus d'aloe vera. Ah. J'étais bête. Bon. Alors, le but étant de repartir, effectivement. Est-ce que sur moi, j'ai tout ce qu'il faut? J'ai deux glues, mais je crois qu'il manque des choses. Mais je vais aller le porter. Merde, marcher sur le lapin. Oh, mais notre torche! Sinon, on ne voit rien. Elle a sommeil quand même, hein, la pépette. Hein. On a rattrapé une des bêtes, donc ça peut nous faire de la glu encore. Qui me dit que je vais me prendre une tempête de sable en pleine tête. C'est vrai que la nuit, c'est mieux d'aller explorer parce qu'on n'a pas le problème de la chaleur, mais selon où on va se trouver, on aura le problème du froid. Mais ça nous use notre huile pour la lampe. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Alors, 2 sur 4, 3 crochets des cordes. Alors, on va voir si on peut faire ça... J'ai rien laissé ici. Non. Alors, je peux éteindre la torche par contre parce que voilà. Donc c'est là-bas que j'aurais laissé. Je suis à nouveau fatiguée. Est-ce que je peux faire de la glu? Non.
Elle est claquée, claquée de chez claquée, un peu plus. Est-ce qu'on peut faire maintenant de la glu? Toujours pas, il me manque quoi? Ben c'est normalement. Faut que je fasse du cuir. J'ai pas de cuir sur moi. Qu'est-ce que tu me dis? La corde. Cuir. Alors, cuir, corde. La corde, il me faut encore des fibres, mais elle va me tomber dans les pommes. Elle est trop fatiguée. I can't keep my eyes open. Mais si tu peux garder tes yeux open, t'inquiète pas. Ne me lâche pas maintenant. Ouais, trop fatiguée là. J'ai gaffe au cactus. Parce que là j'ai assez de plantes fibres. Il y en a là sinon. Hop. Alors on est reparti pour faire de la glu et pour faire la corde. Alors la corde, on va la faire. Ça va nous permettre de nous alléger. Alors, c'est une strong rope qu'elle veut. Pour ça, il me faut litter. Elle est trop crevée pour pouvoir le faire ou je n'ai pas de cuir sur moi, peut-être. À faire dormir. Vous voyez, pas si évident que ça. Il est quand même assez joli. C'est fluide. Il est gratuit. Il le restera. Donc, bravo à eux. Hein. On peut leur dire que ça. Voilà. Et elle a soif. Elle a soif. Elle a soif. Ça n'a pas redonné de l'eau, ça. I'm feeling doozy. T'es énergisée, ouais, mais ce que tu voudrais, c'est boire, Minette. Alors, il me faut un cuir direct. Je vais peut-être aller explorer un peu par là. Histoire de vous montrer un petit peu plus du jeu. Bon, sachant que je vais sûrement mourir, hein, vu que j'ai pas d'eau.
va se mettre. Voilà. La protection solaire. Au moment où il fait nuit, on met la protection. J'ai pas de crochet par là. J'ai toujours accroupi, je crois, non? Ouais, super. Et là, je n'y vois plus. Alors, vous voyez là-bas, comme je vous le disais, en dehors du beau ciel étoilé que vous avez, là, on va rentrer au niveau du désert, mais côté Cordillère des Andes, en fait. Vous voyez, plus vous allez vous rapprocher de ces montagnes là-bas enneigées, plus vous allez vous cailler. Donc, il faudra que vous fassiez attention à ça, comme je vous le disais. Faudra vraiment y faire gaffe. Alors, il faut que je mette du fuel dans la torche. Vous voyez, regardez ma température à droite. Je suis plus dans le frais que dans le chaud. God, I'm parched. T'as soif, need to find some water soon. Tu vas mourir, je pense. Donc vous voyez, c'est un jeu assez sympa. Il va falloir chercher, fouiller, survivre. Ce n'est pas une partie de plaisir, je vous le cache pas. Vous allez mourir, archi-mourir et remourir. Mais, je le rappelle, c'est un jeu gratuit, réalisé par des étudiants qui vont le laisser gratuit. Et là, elle ne peut pas boire que je me marre. Tant pis, hein, si je l'empoisonne, au moins elle boit quoi. Voilà, hop. Hein. Je suis en surpoids. Alors bien sûr, ils ont fait des recherches, hein. Ils n'ont pas fait ça au pifomètre en inventant des noms loin de là. C'est vraiment un désert qui existe. Il y a toute une histoire sur ce désert si vous êtes un petit peu curieux. Regardez sur Google, il y a toute une histoire sur ce désert. Comme je suis pas assez lourde, je vais en prendre un petit peu plus. Ici, de l'oxalis. Des insectes. Alors évidemment, il n'y a pas que de l'exploration, je vous le disais, il y a des choses, il va falloir résoudre, comprendre ce qui s'est passé. Vous allez avoir des frayeurs, des petites frayeurs. Hein. Elle est trop canée, maintenant elle ne veut plus. Des petites frayeurs, vous allez avoir tout un tas de trucs. Alors, je n'aurai pas le temps de tout vous montrer là, mais attendez-vous à faire des petits bons par moment.
il faut être attentif à tout. J'ai d'ailleurs peut-être moi-même déjà fait l'erreur. Faites bien attention parce que vous cherchez des objets. Le problème étant, c'est que si vous ne faites pas attention, ben, vous allez passer à côté de ce qu'il vous faut. Et vous ne pourrez pas passer à l'objectif suivant, bien sûr, tant que vous n'aurez pas résolu le premier, celui qui vous est demandé, c'est-à-dire là, par rapport où j'en suis moi, qui vous demande de tout simplement ben, résoudre le problème de la mine. Elle est full. Alors, je vais peut-être la faire boire. Vu que là, j'ai un conteneur. Voilà. Comme ça, je re-remplis ma gourde. Je vais la faire manger. C'est dommage de gaspiller ça. Mais en même temps, j'ai plus de nourriture sur moi. Hein. Ça, je peux manger. Non, celle-là. J'ai plus de nourriture sur moi. Bah avec ça, on est bien barré si on n'en trouve pas. Can't keep my eyes open. Gotta rest. Non, elle ne veut pas parce qu'elle est trop fatiguée. C'est ça, un viscasa. Alors, je sais pas, ça ressemble à un petit lapin, mais en même temps, est-ce que c'est... Aloe vera. Je suis hyper lourde. Il n'y a pas des choses que je peux jeter. Les rochers, je vais en retrouver. Voilà. Je suis à 31 kg. C'est un peu lourd quand même. Regardez ça. Alors les bruits que vous entendez, ce n'est pas moi qui frotte le micro, hein, c'est dans le jeu. Des petits caca culottes. J'ai bien aimé Fred quand t'as crié, quand tu t'es fait peur. J'ai beaucoup aimé. Ah elle est fatiguée, elle a la dalle, j'ai plus rien à lui donner à manger, tout va bien. On conclura sur ma mort, je pense, hein, au niveau du live. Vous voyez que c'est pas si simple que ça de survivre là-dedans. C'était une bonne surprise, tu m'étonnes. Je ne l'avais pas dit. Donc, tu m'as posé la question s'il y avait... des prédateurs. En fait, c'est pas vraiment des prédateurs, même. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas de feu de camp ici. Ça, ça merde. Alors, je pense que je vais mourir. Non, peut-être pas. Il fait jour. Je pense qu'on doit avoir des animaux là-haut. Elle a la dalle, je sais. Est-ce que je peux lui faire manger, pour tester avec vous, est-ce que je peux lui faire manger le rat? Ah, il y a un rat et des lapins. D'accord. Mais le fait de faire ça... ne me permet pas, si je le découpe pas, ça me permet pas d'avoir le cuir. Ok.
pense pas que j'ai tout ce qu'il me faut. Une chose qui serait bien que les développeurs fassent, faudra leur mettre un message sur Steam, c'est qu'on puisse, voyez, on a un crochet sur trois, qu'on puisse le poser. Qu'on soit pas obligé de devoir porter tout comme ça. Alors, je vais laisser ici, puisque c'est là que c'est intéressant. Je vais laisser ici, dans le coffre, ce qu'il me faut pour réparer. Ça m'évitera de voir les trimballer. Alors, il me faut les crochets. Les vis. Transfert. Et... ça, je vais le garder sur moi. Oh, la glu, j'en ai peut-être pas besoin. Je vais le laisser là. Et on va remonter là où on était. Les planches, je vais les laisser là. Je vais essayer d'aller récupérer tout ce que j'ai là-haut. Et le déplacer vers là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de piège ici. J'en ai pas vu en tout cas. J'ai déjà crevé. Non mais c'est une blague. Je viens de la faire dormir. Faire boire le dirty machin. Ah non, mais elle a de l'eau dans le... Mais pourquoi j'ai bu? Il n'y a pas besoin. Hein. Alors, tout va être de jongler avec tous les camps qu'on va trouver. These look shoddy enough. Maybe I can just put them off the frame. Tu passes pas là? I need to get out of the sun. T'as de trop grosses fesses. Ok. J'ai... Ouais. Elle est canée. Elle veut pas parce qu'elle est fatiguée. Et je peux pas l'atteindre, évidemment, par ailleurs. Non. Hein? Ça aurait été trop bien. Et là, je vais mettre... Can't go on. Need some shut eye. Getaway stick's busted. Gotta patch it up. Ben voilà, ça s'appelle un dégât de chute. Donc j'ai une fracture de la jambe. Il faudra que j'utilise le l'attelle. Donc ça vous montre un petit peu comment faire des bêtises et surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire ce que je fais. I could eat a damn horse right about now. Ouais, t'as faim, mais ma belle, la bouffe, c'est là où. On va utiliser. Est-ce que je l'ai sur moi? Non, parce que je l'ai laissé évidemment en bas. Ben oui. On va mourir de faim avant qu'elle arrive là-haut. Attention, il y a énormément de camps. Là, je suis en train de jongler qu'avec 2-3 camps. Parce qu'on n'avance pas super vite hein, dans le jeu. Hein. Faut pas y aller. C'est pas un jeu où vous allez avancer comme des bourrins. Déjà avec les dégâts de chute, la soif, la faim, tout ça, la fatigue, les tempêtes de sable, etc. Donc vraiment, c'est compliqué. Donc... Je
j'espère avoir à manger là et le temps surtout de le manger, de le faire. Parce que je pense pas avoir des boîtes de côté ici. Je peux faire cuire ça, tiens, tiens donc. La tuyau là. Et ça, si je le fais cuire, ça donne quoi? Ah d'accord. D'accord, ça me donne... de l'alcool. Et l'alcool, ça, si je le bois, ça fait quoi? Je vais me être complètement pété. C'est pour nettoyer quand on est fatigué. Mais ben, écoutez, voilà. Oula, ça même pas donné à boire du tout, du tout. Alors déjà, on va prendre la telle là, on va se la mettre. Hop. Alors, je sais que je peux manger le sel. On va l'utiliser. Hop. Évidemment, manger salé va me donner soif. C'est un enfer. Alors, bah tiens ça. Alors, on va mettre... J'ai plus de fibres sur moi. J'en ai un qui est prêt. Hop. Peut-être lui faire manger, hop, hop. On est pas mal. Alors ça sélectionne automatiquement dans l'inventaire ce que vous avez au niveau de ce qui peut servir en tant que carburant et de ce qui peut servir en tant que nourriture. Donc je pourrais faire cuire aussi les graines. Alors regardez ce que ça va donner si je fais ça. Voilà. Bac et
des moves. Alors. Alors, on en a une qui est cuite ici. On va l'utiliser, on va voir ce que ça fait. Ça m'a redonné un petit peu, mais pas énorme. On va boire. Par contre, elle va avoir sommeil. Donc, hop. Donc, attention ici, pendant qu'on dort, à la jauge de faim, à la jauge de soif. Ce qui est assez réaliste, hein, comme nous. Réaliste, quand nous, on dort, ben, le matin, on a faim quand on se réveille. Save et wake up. Comme ça, vous sauvegardez, vous n'êtes pas trop mal. On va la faire boire. Et on va la faire manger. Voilà. Et là, elle est confortable. Donc, tout va bien. Alors, on va regarder ce qu'on a là, qu'on peut embarquer avec nous. Le problème étant que... on ne peut pas tout prendre. Les insectes... on peut le manger. Ça nous redonne un petit peu de force, on dira. Alors... je vais regarder, je vais prendre tout ce que j'ai sur moi et voir tout ce que... tant pis, je serai en surpoids, mais surtout pour voir avec vous voilà, tout ce qu'on peut faire. Voilà, surpoids. Donc là, j'avais rien. Alors, on va aller voir sur la table de craft. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a sur nous? On peut se faire... une hache, je pense que ça, c'est pas négligé. L'aloe vera, j'en ai qu'une. Et un caillou, j'en ai qu'un. Pour faire le mortier. Alors, ici, niveau nourriture, on peut rien se faire. Ok, pour faire un kebab, il faut garder les petits fruits de cactus. Une viande et un cooking stick. Alors, pour ça, il faut le mortier, ici. Un outil. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Rien du tout. Du stick avec les planches. Alors, le mortier, il nous manque un caillou. Donc, c'est pas trop gênant. Ici, c'est des plantes médicinales qui vont nous aider à nous soigner. Ici, des protéines. Une corde, et pour ça, il me faut de la glu. Et je peux pas faire de la glu. Il me faut du cuir. Craft. Il me semblait en avoir déjà fait une Europe, mais bon. Là, ici, je pense que j'ai plus rien. Alors, ce que je peux tenter de faire, je suis en surpoids, mais tant pis. On a de l'eau claire ici. Hop. Essayer de partir de là, en fait, et de mettre un peu plus bas. J'ai rien laissé dans le feu de camp. Si des graines. Tant pis. Alors, on repart, on a un surpoids, mais c'est normal. Alors, regarde au passage si j'en ai pas attrapé un autre animal. Ici. Donc, à la limite, on remet, on pourra revenir si on est vraiment en manque de nourriture. Ah oui, j'avais vu qu'ici il y avait un truc. Je ne sais plus où. Où c'est qu'il est l'endroit que j'avais vu ici.
Alors, je suis super lourde. Hop là. On a les corbeaux qui tournent autour de nous. L'air de dire, on va faire un merveilleux festin quand elle va mourir. Non! I need to fix my leg before I black out. Ah bah oui, mais là, j'ai pas fait exprès, j'ai raté. Not this way. Not this way, please. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Ah non, je me suis soignée. Comme ça, je n'ai plus besoin de remonter là-haut, à part si je manque de nourriture. Je sais que j'ai des pièges en haut, mais on en a aussi un petit peu dans tous les camps. Alors, je suis fatiguée. J'ai une fracture. Tout va bien. Il est très très punitif. Comme jeu. Et franchement, pour un jeu gratuit, je dis chapeau bas. Ça vaut bien des jeux qu'on a pu voir autant sur la chaîne YouTube, etc. Ça vaut des jeux de survie qui valent bien 20-30 euros, hein, je vous le redis. Mais franchement, moi je dis chapeau bas pour un jeu gratuit. Et ils ont bien confirmé qu'il était absolument hors de question qu'ils le mettent payant et qu'ils continueraient à le développer et que ce jeu resterait gratuit. Donc il y aura des ajouts, il y aura plein de trucs. Donc franchement, chapeau bas à cette équipe d'étudiants. Et je pense qu'à mon avis, dans leur lancée, là, on aura d'autres surprises de la part de ces développeurs étudiants. Donc là, j'ai rien. Il faut que j'aille là-bas au fin fond. Avec une jambe cassée, être en surpoids. Alors attendez, est-ce que je peux pas poser? Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs ici? La corde peut-être. Qu'est-ce qui me manque en fait? Crochet, c'est sûr. Des vis, je crois. Et il me manque la corde. À moins que là, je l'ai dans l'inventaire. Ça, par contre, ce serait bien qu'ils le rectifient, puisqu'ils sont très à l'écoute de la communauté. Hein, donc, quand vous leur faites des suggestions, ils en tiennent compte. Donc, on n'a pas, ça compte pas la corde. Gotta get cool before I drop. Écoute, mets-toi de la glaise sur toi. Voilà. Et de l'aloe vera, puisque tu as un coup de soleil. Voilà. Ça évitera que ta vie descende trop, parce que là, la vie, on l'a à moitié. Du fait qu'on a notre jambe cassée. C'est même plus marché au ralenti, là. Les bruitages sont assez bien faits. Après, il y a une musique Inca en fond assez sympa. Les bruits de pas sont très réalistes. Hein. Quand elle est dans les cailloux, on peut entendre le bruit du sac qui contient tout ce qu'on a sur nous. Donc, ils ont bien fait attention à tous les détails réalistes. Et ça, c'est assez agréable. Alors... faire ça, je pense que c'est ça. Ok, ça je peux le dépecer. Ouais, ah, le couteau a pété par contre, hein. Hop.
On va aller poser la corde là. Ouais, je vais laisser des trucs ici. Parce que là, je n'avance plus du tout. Ah oui, je voulais voir si je pouvais me faire une... une attelle. Alors, hop, soin, attelle. Il me faut un petit stick supplémentaire. Est-ce que je vais trouver ça? Alors, je vais poser dans le coffre là parce que je n'avance plus tellement je suis lourde. X. Alors, on va poser les sticks, on va les garder. On va poser. Can't keep my eyes open. Gotta rest. On va poser ça. On va poser les os. Les planches. Alors faites attention, vous voyez, hop, il y a quand même pas mal, les coffres contiennent pas mal de choses, d'emplacements, hein, donc, hop, on va transférer. Tout ce qui est lourd. Alors, faudra vérifier si la nourriture, ça c'est plante médicinale, si la nourriture ne périt pas. Donc là on est beaucoup plus léger. Il faut qu'elle boive. Il faut qu'elle mange. Alors, hop. Par contre, elle est claquée. Alors, ça, c'est pas bon, mais bon. Ah oui, j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait pour me faire une attelle? Un petit stick. Un petit stick de rien du tout. J'ai absolument pas ça à côté de moi, évidemment. Non. Si, là-bas. On a notre camp ici, en face de nous. Je vais me taper là une tempête de sable, je pense. Effectivement, si je faisais un let's play dessus, je ferais beaucoup plus attention. Là, c'est pour vous montrer globalement un petit peu le jeu. Gotta get cool before I drop. Oui, t'es fatigué, mais ma pépette, il va falloir tenir bon. Une planche. Ici, on a de l'eau.
c'est pas très bon ça pour la cheville. Alors évidemment, hein, si vous faites une partie, vous n'aurez pas obligatoirement les loots que j'ai aux mêmes endroits. Donc, à chaque partie que vous recommencerez, les loots auront changé de place. Ça serait trop simple si ce n'était pas le cas. Alors, vous comprendrez que la trame, ça ne peut pas être trop fatigué. La trame de l'histoire se passe effectivement dans la mine. Donc, il faut déjà réparer la mine. Là, on a notre crochet. De l'huile pour la lampe ici. Ah oui, elle peut pas parce qu'elle est fatiguée, la dame. Là, il n'y a rien d'autre. Si, de l'huile ici. Ah, j'avais pas vu là-bas sous le coffre. Réparer, nanani. Ah super, je répare une table de craft, mais il n'y a pas d'eau. Bon bah, taille quand même. Est-ce que je peux me faire une attelle? Ce serait bien. Hop. Alors, X. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai plus les quatre bouts de bois sur moi. Ah oui, je les ai utilisés pour. À tous les coups, je les ai utilisés pour réparer ça. Ok. Des fibres, il me faut. Elle est trop fatiguée. Ça ne viendra pas non plus. C'est un open world, hein, donc vous allez partir, plus vous allez vous éloigner. Ça ne voudra pas être fatigué. C'est à vous de trouver les camps, de trouver tout ça, de crafter quand vous avez les ingrédients. Pour trouver les ingrédients, il va falloir explorer avec les dangers que cela comporte. Là, on a un puits. Attention, le puits, vous pourrez remplir vos gourdes avec, mais il n'est pas. L'eau n'est pas. De planche, il me faut 4 fibres. Plus vous allez utiliser l'eau, plus le puits va se vider. Hein. C'est pas, ça ne va pas rester vitam aeternam le puits plein. Pas du tout. La tête, je peux pas, je trouve pas de petits sticks. Vous voyez, on n'a toujours pas fait le deuxième objectif qui fait avancer le jeu au niveau de l'histoire. On n'a pas pu réparer la grotte encore. Alors ici, on peut réparer ça. Comme ça. Ici, on aura des animaux pour manger. Et un ou deux jours. Ok. Alors, Fred me dit que le puits se remplit tous les un ou deux jours.
Mais bon, tous les 1 ou 2 jours dans le désert, c'est très long. Très très long. Vous voyez, c'est quand même assez grand. La map est assez grande. Enfin, on imagine, hein, puisqu'on n'a pas de map proprement dite. Mais il y a de quoi fouiller, fouiner et pas savoir où on va et faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire me perdre. Elle veut pas parce qu'elle est canée, hein. Saleté. Elle est canée, elle est blessée, j'ai pas trouvé de stick. Alors ça va qu'on a encore le petit checkpoint là qui nous aide pour nous diriger, mais pas à passer un moment, vous allez plus la voir. Donc elle meurt de soif. Ben bois, pépette, ça. Hop. Je suis pas en surpoids, mais par contre, elle est super fatiguée. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on ne peut s'abriter des tempêtes de sable que en étant dans les grottes. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réparer là? Non! Oh la vache! Elle veut pas parce qu'elle est fatiguée. Mais ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut, Nénette, pour réparer ton plumard. Il me faut quoi? Des fibres et un clotch. Mais je n'ai pas la table de réparation là. Elle est affamée. Je dirais honnêtement que ça va être la fin des haricots. Parce qu'elle est épuisée. Il va falloir que je reparte en arrière. Et là, pour faire le piège, il me faut 2 planches. Alors ici, on a une note. Concernant l'histoire, je peux entendre à l'extérieur des bruits de pas qui tournent autour. J'essaie de vous dire le flux. Il y a des créatures hein, qui semblent essayer de m'attraper. Selon les archéologues, cela peut être des cryptides. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais ce sont des personnages mythiques apparemment. J'essaierai d'en capturer une quand je retournerai. Quand je retournerai près de l'homme armé. Bien sûr, quelqu'un. J'espère que quelqu'un a trouvé du tabac. Blue break. Voilà, donc vous avez toute une histoire, ça je vous l'ai dit, mais c'est pas. C'est une des priorités, mais tant qu'on n'a pas réussi à réparer la grotte au lieu du départ, on est foutu. Bon. Ici j'ai pris, ouais. Écoutez, on va en rester là de cette découverte. Vous voyez que j'en suis à presque, comme j'étais en live, j'ai fait 2h30 de live sur ce jeu. Vous voyez que j'ai pas beaucoup avancé, c'est pas un jeu qu'on peut rush. Donc tant que je n'aurai pas résolu, il va falloir que je tourne et que je vire en fait pour pouvoir réparer cette mine. Et là, ça va me déclencher d'autres objectifs parce qu'il va falloir que j'aille explorer dans la mine ce qu'il y a et ce que je vais pouvoir trouver là-dessous. Pour pouvoir après continuer à débloquer les autres objectifs. Et pour ça, il va falloir que j'explore le désert, que j'aille chercher, que j'aille looter
trouver des camps et tout ça en survivant, en gérant ma fatigue, ma faim et ma soif. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Le jeu reste et gratuit sur Steam. Il s'appelle Arid, Arid, développé par des étudiants. Donc, je vous invite largement à aller vous le prendre, le tester. Ça reste un jeu gratuit et il le restera. Il y a eu une grosse mise à jour. On est le 18 novembre, aujourd'hui même, par les développeurs, je vous le répète, qui ont ga gagné le jeu, le Howard Game allemand, alors qu'ils sont néerlandais, il me semble. Ils ont gagné le Game Award pour de la catégorie jeu de survie en tant qu'étudiant. Donc voilà. Et comme je vous le redis et re-redis, c'est un jeu qui serait équivalent à d'autres jeux qu'on peut voir et qui ne le sont pas, eux, gratuits, et qui coûtent entre les 20 et les 30 euros. Alors n'hésitez pas, c'est un jeu personnellement qui en vaut la peine. Je vous invite à le tester, profitez-en, c'est gratuit et des mises à jour vont être encore faites. Sounds Je suis en train burning me up. de brûler. Des mises à jour vont être encore faites, les développeurs vont continuer à le développer. Je pense qu'ils ont énormément de potentiel et ce jeu a énormément de potentiel. Il y a pas mal d'heures de jeu parce qu'il n'est pas simple, vous l'avez vu. Donc, eh bien, écoutez, vous me ferez vos retours. Sur ce, je vous laisse là-dessus en espérant que ça vous aura plu. Une petite découverte de plus, une petite pépite de plus. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo YouTube. Vous avez la chaîne YouTube en dessous pour ceux de Twitch. Puisque je suis en live, qui voulait vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Il y a des gameplays dessus que je ne fais pas en live ou autre. Et ben pour ceux qui veulent venir sur Twitch, vous aurez le lien de Twitch. Voilà, je fais plein de bibis, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.